Bienvenue dans ces rendez-vous d'histoire cycle économie. Vous avez pu avoir un programme déjà très varié, très dense. Et là, ce soir, on va s'attaquer avec des grands acteurs d'économie et des universitaires reconnus dans leur domaine sur l'image de marque de la France. Qu'est-ce que c'est que l'image de marque de la France? Est-ce qu'elle a une valeur économique? Alors, pour en parler, Sylvie Brunel, qui est économiste. Bonsoir. Donc, Sylvie Brunel est chercheure notamment en géographie, en économie, et essayiste auteur de plusieurs ouvrages, dont La France Disneylandisée. La France dans la mondialisation, La France Disneylandisée, et vous enseignez à Paris-Sorbonne. À vos côtés, Edouard Ackwright. Donc, Edouard Ackwright est français. Il est surtout directeur général exécutif de ADP. ADP, c'est Aéroport de Paris. Au départ, Edouard Ackwright est administrateur du Sénat et qu'il a quitté pour rejoindre la Caisse des dépôts, plusieurs gouvernements entre 2002 et 2007. Et on verra son point de vue opérationnel à la tête d'ADP sur qu'est-ce que la France représente pour les aéroports d'Orly-Roissy. Et puis pour d'autres, puisque par exemple, vous avez aussi sous votre responsabilité TAV Airport qui gère les aéroports d'Istanbul et d'Ankara. Et ce sont deux aéroports, pour ceux qui ont eu la chance d'y passer, qui sont en plein milieu. Et donc on verra comment l'image de la France, en tout cas le développement économique, peut être raconté à travers ces exemples-là. À vos côtés, Christian Mantelli. Bonsoir, Monsieur Mantelli. Donc ceux qui s'intéressent au tourisme connaissent Monsieur Mantelli. Il est le directeur général d'Atout France. Atout France, c'est l'agence de développement touristique de la France, du pays. Un petit détail, c'est pas complètement une administration, c'est un GIE de droit privé, alors qu'il y a l'État, les régions, les collectivités, mais aussi 850 entreprises qui sont partenaires, enfin en tout cas actuellement, donc GIE d'Atout France. Et enfin, Jacques Mistral, qui est économiste, bonsoir M. Mistral, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, ainsi qu'au Brooklyn Institute à Washington, et dans votre longue carrière, vous avez été aussi conseiller auprès du Premier ministre Michel Rocard. Voilà, donc, enfin, un domaine où la France se distingue, c'est un pays qui détient le record du nombre de touristes internationaux, 90 millions. On avait sur le programme le chiffre de 87 ou 88, mais il y a quelques jours, lors des questions à l'Assemblée nationale, il me semble, enfin au Parlement, le secrétaire d'État au tourisme, M. Lemoine, a précisé que les chiffres étaient revus à la hausse, donc on est déjà sur 90 millions de touristes sur l'année 2018. Et l'an dernier, la France avait accueilli 87 millions de visiteurs étrangers, ce qui avait généré 54 milliards d'euros de recettes, ce qui fait du tourisme et de la marque France un enjeu majeur. Alors, érigé en marque, la France est bien sûr une priorité du gouvernement, mais je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur Mantelli. Est-ce qu'on est prêt pour accueillir chaque année 3 millions de visiteurs en plus? Moi, évidemment, en tant que compétiteur, je dis oui, mais à certaines conditions, puisque nous sommes prêts dans certaines villes, certaines régions, certains sites, moins prêts dans d'autres. Le tourisme, c'est une économie de l'offre. Il faut d'abord constituer une offre globale, avec des aéroports en particulier, une accessibilité, que ce soit l'accessibilité des transports, par l'avion, par le train, mais les hébergements, des offres d'activités culturelles, de loisirs, et si nous n'atteignons pas un certain niveau, un certain seuil dans l'offre, quantitativement et qualitativement, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir davantage de touristes venant de tous les pays. Et c'est le cas actuellement dans certaines régions qui n'accueillent que 5% de visiteurs internationaux, alors qu'à Paris, on est à 65%. Oui, même Philippe Moreau de Farge, qui intervenait juste avant, racontait que sur les grands boulevards, il n'y a plus que des Chinois à Paris. Et des bus de Chinois qui viennent acheter. D'abord, je pense que les Français confondent les Chinois, les Japonais, les Asiatiques. L'Asie du Sud-Est, voilà. Et même les Chinois qui viennent à Paris. Je pense, parce que vous savez, on peut être parisien, touriste à Paris. Et vous savez, on a un certain nombre de personnes, des Français, d'origine chinoise. Donc on mélange tout. En fait, c'est 2,2 millions de Chinois qui viennent en France chaque année. C'est vrai qu'en première visite, quelle que soit l'origine des visiteurs, à
à 80% de ce qu'il faut voir en première visite, c'est non seulement à Paris, mais c'est sur les bords de la Seine. On a une certaine fréquentation assez remarquable en volume cette année. Edouard Abouret, même question pour rentrer un petit peu dans ce sujet par l'exemple. Est-ce que la France est prête à accueillir toujours plus de monde, et notamment les aéroports parisiens, puisqu'on répète régulièrement que Roissy est surchargé, qu'il va bientôt y avoir un troisième aéroport parisien pas très loin d'ici. Enfin, ça, c'est un rêve des élus locaux, mais dans l'est de Paris ou dans le nord de Paris. Donc, est-ce que la France est capable d'accueillir toujours plus de touristes? Alors, les aéroports parisiens sont prêts à accueillir toujours plus de touristes. L'aéroport de Charles de Gaulle, pour vous donner une idée, c'est 4 pistes, 2 fois 2 pistes parallèles, qui accueillent 73 millions de passagers. Nos amis de Londres ont 2 pistes parallèles et ont 80 millions de passagers. Donc, l'idée du troisième aéroport parisien, elle est peut-être. Non, mais c'est une idée ancienne. Elle est ancienne et lointaine. Et ancienne et appelée à durer pendant très longtemps. Donc il y a beaucoup de place pour accueillir ces touristes. Non, je dis qu'elle est ancienne parce qu'il y a aussi d'autres aéroports régionaux qui aimeraient aussi monter en puissance et bénéficier de. C'est d'ailleurs ce à quoi Ryanair répond, notamment. On est rentré dans le sujet assez vite. Est-ce que M. Mistral, vous avez un mot à dire sur ce sujet-là, sur est-ce que la France vous semble prête à accueillir toujours plus de touristes? Est-ce qu'on peut aller indéfiniment accueillir des bus entiers à Paris et puis plus grand monde dans le reste du territoire, à part Nice, à part Trois points très bref. Comme l'a dit mon voisin, le tourisme, c'est une économie de l'offre. Donc, il y a deux façons d'accroître l'offre. Il y a un potentiel de liquidité, disons. Il y a deux nécessités. L'une, c'est d'investir ou d'avoir des gains de productivité, comme on vient de voir avec les parmédistes. Mais investir si la demande est là, c'est excellent. Les maisons de la France, la France sont là pour attirer le temps de revenus. Et la deuxième condition, c'est effectivement d'avoir des produits attractifs. Donc on n'en vient pas à l'image proprement dite dans un instant. Mais à ces aspects favorables de la mondialisation, c'est-à-dire le fait d'attirer de plus en plus de touristes chinois, il faut en même temps pas se masquer le fait qu'il peut y avoir des réticences culturelles à l'encontre de phénomènes que certains pourraient, à un moment ou à un autre, qualifier d'invasifs. Alors je le mentionne juste parce que ce matin j'étais dans une table ronde où l'assistance était plutôt hostile à la mondialisation. Ce soir c'est l'inverse, on est plutôt est-ce qu'on peut encore attirer un peu plus de touristes dans le Val de Loire. Donc tant mieux, c'est le reflet de la France avec ses idées un peu contradictoires, mais il faut être également vigilant sur cet aspect. On reviendra tout à l'heure sur cette question de mondialisation et de l'image de marque. Là c'était juste une entrée dans le sujet pour par rapport aux infrastructures, si vous venez pareil, vous êtes géographe, c'est peut-être des sujets que vous abordez. Est-ce que la France peut accueillir toujours plus de monde? Alors, juste, oui, effectivement, vous avez raison de rappeler que je suis géographe. J'ai beaucoup travaillé sur le rôle entre les rapports entre tourisme et développement. Mon livre s'intitule La planète stellantisée. Non, la France stellantisée, c'est un glissement intéressant que vous avez fait. La France a de grandes ambitions touristiques, hein, puisqu'elle veut accueillir 100 millions de touristes en 2020. Le tourisme aujourd'hui joue un grand rôle dans l'économie française puisqu'il représente environ 8% des emplois et 7% de la richesse nationale. Édouard Philippe a qualifié le tourisme de trésor national pour le pays. Donc effectivement, il faut être prêt à accueillir ces touristes. Aujourd'hui, le tourisme français fonctionne plutôt en archipel, c'est-à-dire qu'il est polarisé sur certaines régions. L'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes et... La grande question aujourd'hui, c'est la France a une très belle image à l'étranger, à la fois par ce qu'elle représente, mais aussi par ses produits. Les classes émergentes du monde sont demandeuses de produits français. Vous savez que la gastronomie française a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y reviendra, on va décliner tout ça. Donc, les vins spiritueux, les céréales, les produits laitiers français sont très prisés à l'étranger. Aujourd'hui, comment construire les territoires français, comment participer à cette construction identitaire des territoires français pour que les touristes viennent et ne se limitent pas à ces trois pôles, hein, qui sont des pôles limités. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui
une stratégie de construction des identités de la France, des multiples identités de la France, qui a un potentiel considérable. Il faut que l'hébergement suive. L'exemple type, c'est la Champagne. Très très forte image internationale, mais capacité aujourd'hui d'hébergement touristique extrêmement limitée. Donc on voit bien que ça demande un véritable effort d'aménagement du territoire, surtout en ce moment où on a une dévitalisation des territoires ruraux. Il faut revitaliser les territoires ruraux et le tourisme peut jouer un très grand rôle là-dedans. Ce sont des, tout un ensemble de thèmes qu'on va aborder maintenant. Alors justement, on a vu cette première question sur les infrastructures. Là, et la vraie question, le vrai sujet, c'est quoi l'image de marque de la France? Qu'est-ce qui la constitue? Madame Brunel a commencé à révéler, je me retourne vers vous, monsieur Mantelli. Vous êtes chargé de, on va dire, de marketer la France. C'est quoi, qu'est-ce que vous mettez dans cette image France? D'abord, si on essayait de donner une valeur de marché à la marque pays, vous verrez que la marque pays de France a moins de valeur que la marque de la France en tant que destination. C'est vrai pour tous les pays du monde. Si on devait acheter, spéculer sur une marque, il faut vraiment choisir la marque de destination. Pourquoi? Parce que qui dit tourisme, qui dit divertissement, qui dit culture, qui dit plaisir, qui dit bonheur. Donc c'est un peu. On gomme les aspects un peu négatifs du pays, il y en a, et on essaie de voir que les aspects positifs. L'image de la France, globalement, elle est bonne. Et elle est racontée différemment selon les pays. La perception selon les pays est différente, mais c'est globalement très positif. Donnez-nous quelques exemples. Comment la France est perçue, par exemple, les touristes chinois, on les a évoqués, mais américains, par exemple, les Américains sont revenus beaucoup cette année. Oui, alors. Alors, comme on dit toujours, les Américains craignent d'être en insécurité dans les rues françaises. En fait, les Américains qui viennent, qui reviennent, vous savez, on a une première catégorie de visiteurs, ce sont les primo-visiteurs. Ils viennent pour la première fois en France, ils viennent, ils commencent par Paris, les Châteaux de la Loire, bien entendu, Versailles, Mont-Saint-Michel. Ensuite, ils reviennent. Il faut pour sortir de cette catégorie primo-visiteur, il faut 2 ou 3 séjours parce qu'on a tellement de choses à voir en France qu'avant d'être fidélisé à la France, il faut faire 3 séjours. Après, on passe à la catégorie fidélisée et après, il y a une autre catégorie qui est initiée. On a des Américains qui connaissent tellement la France et deux fois mieux que nous, qui commencent à venir dans le Gers, qui vont en Provence, ils viennent ici chez vous, ici beaucoup, et ils connaissent les bonnes adresses, ils apprécient toutes les saveurs françaises, et surtout ils font des différences, et là j'y viens, c'est un point important, entre les identités régionales. C'était vrai des Européens, mais maintenant ça commence à être vrai des Américains. Ce que nous on appelle nos marques mondiales, on a une chance en France, c'est que plus fort, dans le domaine du tourisme en tout cas, dans la destination France, plus fort que la marque France, il y a Provence, Loire-Vallée, Val-de-la-Loire, Normandie, Paris évidemment, Côte d'Azur, Bordeaux, Champagne, est une grande marque mondiale. Vous me racontiez pour séduire les jeunes Anglais qui ne sont pas trop francophiles, comme vraiment. C'est-à-dire que si on commence avec notre grande équipe, qui est installée partout dans le monde, après avoir segmenté le marché britannique, à essayer de séduire les jeunes britanniques qui aiment le ski et qui ne sont pas francophiles. Ça arrive que les britanniques ne sont pas francophiles. Donc, ils en sont anglais. Moi, j'en connais, si vous connaissez, il suffit de leur parler de rugby. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on vient sur le marché des sports d'hiver des jeunes anglais, il vaut mieux venir avec nos marques de stations d'hiver, de sports d'hiver, qu'avec France. Faire du ski en France pour un jeune anglais, c'est moins séduisant, attirant, que venez dans la station de Val Thorens, où je pourrais faire de la publicité pour un certain nombre de marques de stations. Pareil, Monsieur Mistral, cette même question sur qu'est-ce qui constitue l'identité de la marque Destination France ou de la France, qui alors, est si multiple. Alors, comme je ne suis pas directement dans l'industrie touristique, même si j'ai vu à plusieurs reprises des dossiers concernant ce secteur, moi, ce qui me frappe, c'est l'image de la France plus générale. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit, l'excellence de l'image générale comme destination. Je suis heureux d'entendre aussi ce que vous dites sur l'image des régions, parce que je pense qu'effectivement, une fois passé le stade de la première connaissance du pays, c'est le fait d'être attiré, par exemple, dans la Côte d'Ivoire, qui est une puissante incitation. Donc ça, c'est très important. Mais je crois que l'image de la France est dans le monde de l'expérience que j'ai eue, économique, diplomatique, l'expérience de l'image de la France est plus large.
Je ne m'engage pas sur le terrain du Made in France, on en parlera tout à l'heure, mais à côté de la destination touristique, il y a toujours l'idée que la France est quand même, sur le plan culturel et politique, une destination avec des particularités qui valent la peine de s'intéresser à ce qu'est ce pays, à sa culture, à sa... On veut caricaturer, aux États-Unis où j'ai vécu 6 ans, l'image du Français avec son béret, sa baguette, allant chercher son steak, c'est aussi fort pour résumer une ambiance culturelle qui va évidemment bien au-delà chez tout ce qui s'intéresse à nous, mais ça résume l'idée que la France, c'est le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution, le pays des libertés, beaucoup de choses qui vont au-delà des simples atouts touristiques et des choses. Edouard Albright, sur cette question-là, comment... Parce que finalement, cette image-là, oui, il y a quelques côtés désuets, alors pour la renouveler tout le temps, pour la rendre moderne et attractive, c'est pas simple. Moi, je crois que c'est plutôt facile, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à montrer, le tout, c'est de démontrer. Et puisqu'on est dans une thématique générale, mais on est d'histoire, si vous m'autorisez, moi, je vais vous en montrer quelques images. Nos visiteurs, ils ont envie de voir la France. Ils ont envie d'infrastructures qui disent quelque chose et qui disent quelque chose de la France. Alors, ça c'est juste un chiffre pour illustrer. En 2015, il y avait 3 milliards de personnes qui voyageaient dans le monde, il y en a 6 milliards en 2030. Pourtant, on a parlé de la France, mais il ne faut pas oublier qu'on est en concurrence. On y reviendra tout à l'heure, je pense, mais c'est une donnée extrêmement importante. Le monde entier ne rêve pas que d'une chose, c'est de venir en France. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas accueillir 6 milliards. Donc, on va rapidement aller voir l'image de la France. Elle peut être une image, là je vais prendre l'image de la France dans les aéroports, elle a longtemps été une image dans laquelle c'était l'amour, pas forcément au moment le plus simple, on a des terrasses d'Orly dans un bout de souffle, pour qu'ils s'en souviennent. L'humour dans l'aéroport, en 1981, ou plus récemment dans les courses poursuites. L'amour, toujours, mais cette fois dans la publicité. Une certaine élégance, une certaine surprise, une certaine attention, toujours dans une salle de livraison voyage, cette fois à Orly, cette année. Il fallait être là au bon moment, on était tourné des vrais passagers. C'est une image de la France dans laquelle vous voyez cette affiche d'Air France. On fait le lien entre le rêve, la destination France, une certaine culture, une certaine esthétique. Ce lien, d'ailleurs, vous le retrouvez, vous avez l'image d'à côté, c'est la terrasse du siège social de l'ADP, dessinée par les architectes qui entretiennent les jardins de Vaux-le-Vicomte. C'est une image qui est architecturale, permettez-moi une seconde de rendre hommage à Paul Andreu, qui est décédé il y a 2 jours, mais dont l'annonce a été hier, qui est le grand architecte des aéroports parisiens. Et vous voyez ici son œuvre iconique, qui est le Terminal 1. C'est aussi l'architecte du Terminal 2F. C'est l'architecte du Terminal 2E, y compris celui d'aujourd'hui. Faut-il vraiment muséifier les centres-villes français, notamment dans les cités historiques? Alors le Val-de-Loire est l'un des premiers de la région, puisqu'on a eu très peu de bombardements, pas trop de bombardements, et donc les centres-villes sont plutôt encore en bon état. Ça peut être encore le cas aussi dans l'est de la France. Enfin, est-ce qu'on peut geler, parce que les habitants, les Parisiens, intramuros, ont dû déménager à l'extérieur de Paris. Est-ce que vous, en tant que géographe, et la question s'adresse aussi à M. Lestrade, est-ce qu'on peut lutter contre ça ou essayer de faire le compromis? Alors, vous posez une question essentielle. Est-ce que les lieux deviennent des décors ou est-ce que ce sont des lieux de vie? Et effectivement, dans tous les lieux qui se touristifient, on le sait, le niveau, le coût de la vie, le coût de l'hébergement devient extrêmement difficile pour les locaux. En même temps, ils en bénéficient aussi. Certains en bénéficient. Voilà. Ceux qui ont déjà du foncier en bénéficient. Ceux qui sont les primo-entrants, ceux qui veulent entrer dans ce territoire, se heurtent effectivement au coût très important. Alors, il y a une façon de contourner ça, qui est le phénomène du Airbnb, qui est un Airbnb qui fait une concurrence totalement déloyale aux hôtels. Hein. On sait bien que c'est un véritable problème aujourd'hui dans un certain nombre de villes. Mais en même temps, ça permet aussi de valoriser ce patrimoine locatif, ce patrimoine immobilier. Le problème de la muséification des centres-villes, il est à double tranchant, parce qu'on est en même temps très heureux de voir sa ville, son territoire beau, son territoire qui suscite l'attractivité et l'attention. Et là, c'est vraiment une question de
Quelle limite on pose? On voit bien à Barcelone ou ailleurs le ras-le-bol des touristes à Saint-Tropez, mais en même temps, il faut bien aussi se souvenir que là, à Venise, mais on sait aussi que la saison touristique, elle est souvent très courte. Je pense par exemple à la Camargue. La Camargue a été un territoire qui a été totalement rendu attractif par l'imagerie de Grimblot. Mais les Saintes-Marie-de-la-Mer, bah, cette capitale de la Camargue, c'est plus de 100 000 habitants l'été, mais c'est 2000 l'hiver. Donc, finalement, comment on fait face à cela? Il faut se poser la question pour les aménageurs, est-ce que les infrastructures doivent être surdimensionnées ou est-ce qu'il faut essaimer? Essaimer à partir du lieu initial et réussir à créer un tourisme rural, un écotourisme, un tourisme à la ferme, un tourisme qui permet de diffuser l'offre touristique à partir de son noyau de fixation. Monsieur Mistral. Oui, je mentionnais ce risque dès ma première intervention et je pense qu'il est réel, surtout si les phénomènes que vient de décrire Simonel sont mal gérés. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas se faire peur avec les mots. Hein, je parlais de mondialisation ce matin, qui est un mot qui fait peur à beaucoup. Muséification, on pourrait très bien jouer de l'amour et faire peur en disant voilà, c'est le début de la fin. Je pense, par rapport à la façon dont vous avez posé le problème, je pense qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que si on ne transforme pas les centres anciens en des zones attractives, eh bien, les investissements nécessaires pour que survivent ces zones ne sont pas les lieux merveilleux pour attirer les anciens locataires du voisinage, ça deviendra comme le centre de Béziers, des touristes. Donc, on n'a pas le choix. Par conséquent, si vous voulez, on a fort bien posé le problème. J'ajouterai juste une chose, c'est-à-dire que, évidemment, avec Atout France qui attire les touristes, si possible, aisés du monde entier, avec l'aéroport de Paris qui développe ses boutiques pour faire acheter le maximum de choses aux passagers, on a une vision quand même biaisée de ce qu'est le tourisme qui ne se réduit pas à cela. Et c'est pour ça qu'il y a raison de décrire la gamme extraordinairement large des activités touristiques. Et je pense que c'est la particularité de ce secteur, c'est que contrairement à d'autres, il offre une palette de propositions qui correspond à toutes les catégories sociales, aux besoins et aux attentes de toutes les catégories sociales. C'est à très juste titre qu'il faut signaler, souligner le rôle que joue une infrastructure pour vélo, pour attirer un tourisme qui n'est pas le tourisme peut-être de luxe, qui passera deux jours en visitant tous les châteaux de Loire, mais un tourisme qui gagnera à travers ses pérégrinations de Dombeuf un attachement durable et qui apportera au final de même. C'est paradoxal parce que la Loire à vélo, pour avoir travaillé dessus, attire des touristes aisés d'Allemagne et de Suède qui ne revenaient plus ici et qui ont un pouvoir d'achat bien supérieur aux touristes français. Si on rentre dans les détails, et pour aller dans le sens du patrimoine historique, hein, puisqu'on a un petit peu abordé ça, et si on rentre dans le bilan de la fréquentation touristique en France, cette année, la mer, c'est plutôt stable. On attire toujours des Hollandais, des Belges dans nos campings. Par contre, la montagne, ça a chuté. En tout cas, ça recule nettement. La montagne d'été, ça a moins de succès auprès des visiteurs étrangers. Et l'urbain et le patrimoine, ça progresse. Est-ce que c'est une tendance de fond qui est illustrée? Enfin, est-ce que les touristes étrangers veulent voir nos villes, nos centres-villes, Christina, monsieur Antéi, ou est-ce que c'est juste épisodique? La croissance mondiale du tourisme est surtout portée par la croissance des flux des citadins qui vont dans les villes, particulièrement pour le séjour. Elle n'est pas portée par les zones touristiques au niveau mondial, le littoral, et les zones touristiques montagne. Un peu les îles, encore, mais quand même, c'est surtout les villes qui attirent. Parce que justement, les villes du monde entier, on est bien d'accord, là, nos villes, on fait un gros effort en France, on revient, je vais citer beaucoup de villes, par Bordeaux, qui est passé, non, alors chaque fois, c'est une offre culturelle, parce que il faut évidemment l'accessibilité. D'abord, puisque qui dit court séjour dit le moins de temps possible dans les transports. C'est une offre culturelle globale qui attire. C'est-à-dire non seulement du patrimoine vivant, des expositions, des spectacles, etc., mais de l'art de vivre, du plaisir de vivre, des bonnes adresses, un bon hôtel et un espace public, donc du design de service remarquable. C'est-à-dire que les visiteurs sont attentifs à la manière qu'on a choisi même de restaurer, réhabiliter, traiter nos villes.
donc notre architecture, notre urbanisme, c'est aussi un geste culturel. Donc la ville progresse. La montagne progresse, là je vais être un peu critique à notre égard, on a des montagnes, elles sont très belles. On a une offre montagne d'hiver qui est la meilleure du monde, je pense. Mais la montagne d'été, nous ne sommes pas challengés, nous sommes challengers. C'est-à-dire que nous avons devant nous des Suisses, des Autrichiens, par exemple en Europe, qui sont meilleurs que vous, que nous, par exemple, parce qu'ils ont une offre de services, des restaurations, la restauration d'altitude, des services un peu partout autour du village, qui est remarquable. Donc, nous, on travaille espace par espace, territoire par territoire, pour constituer des offres qualitatives. Alors, vous avez dit qu'on était un peu biaisé, vous avez raison, sauf qu'on pose tout le temps la question, une question fondamentale, est-ce que vous avez une stratégie de volume ou une stratégie de valeur? Moi, j'ai, vous savez, 90 millions de visiteurs, donc j'ai beaucoup de volume et de la valeur. D'autant qu'en plus des 90 millions, il faut ajouter 120 millions d'excursionnistes. Parce que les 90 millions, c'est 90 millions de touristes au sens statistique de l'Organisation mondiale du tourisme, qui descendent au moins une nuit dans un hébergement marchand. Et puis il y a tous ceux qui s'ajoutent, qui traversent la frontière. Et là, ils sont 120 millions. Voilà. Quelquefois, ils ont une idée. Est-ce que vous pouvez citer un exemple de travail particulier de la France sur la destination montagne? Ah ben, on est là encore une fois. Il y a des montagnes, il y a des massifs. Ils sont très différents. Il y a la montagne de moyenne altitude. Ne dites jamais moyenne montagne parce que ça fait montagne médiocre. Voilà. Donc, dites montagne de moyenne. Celui-là qui est dans la tendance de fond du slow tourisme, la moyenne montagne, peut-être qu'elle va créer une belle surprise. Elle a toutes ses chances. Il faut réinvestir les villages, faire de la qualité, respecter l'identité, révéler les produits du terroir, proposer des expériences qui vont, en complément de la randonnée, faire du bien-être. L'enjeu de la santé et du bien-être, c'est l'enjeu numéro un, à l'échelle des marchés matures, des pays qui sont matures, avec la séniorisation des populations en particulier. Moi j'ai commencé très tôt pour faire un peu de couple. Donc là, en réalité, on a des compléments à ajouter qui font effectivement la France et la destination France par micro-territoire jusqu'à la culture, y compris la culture en comptabilité. Ça compte énormément d'avoir des festivals. Voilà, des animations, mais toujours choisir la qualité. Je pense notamment à l'exemple des volcans d'Auvergne qui sont en train d'essayer, après beaucoup de monde, qui enfin se réveillent pour essayer d'obtenir le label patrimoine mondial. Ils ont quasiment aucun touriste étranger, à part quelques Anglais qui savent où c'est. Exactement. Et donc on voit des aménagements qui sont très astucieux. Nous, on surveille notre irréputation en permanence, c'est-à-dire qu'on a des outils qui nous permettent de savoir ce que les gens racontent de nous sur les réseaux sociaux et ce qu'ils racontent de nous en détail. Et on s'aperçoit que disent-ils? Ils disent plutôt du bien, c'est-à-dire que 85 à 90% sont extrêmement satisfaits de ce qu'ils ont vécu en France, même quand c'est pas complètement parfait. Alors, il y a un mot qu'on n'aime pas du tout dans notre métier, c'est le mot authenticité. Vous savez, parce qu'on fourre partout, l'authenticité, on le place partout, mais généralement, l'authenticité, il cache à peine et très mal une mauvaise qualité. Donc, moi, je suis professionnel, je préfère l'authenticité. Je préfère la sincérité. Et on préfère, évidemment, la qualité de l'autre. Donc, il y a des efforts qui sont faits, il y a des expériences à proposer aux visiteurs qui sont très bonnes, y compris dans les coins de France les plus reculés. Je tique sur la critique de l'authenticité comme cache-misère, cache-feuille de vigne pour la médiocrité. Moi, je pense plutôt ça des hôtels écologiques qui vous offrent de l'inconfort à prix d'or. Mais je jette une autre pierre dans le jardin. En revanche, non. En fait, vous savez, tout à l'heure, on a beaucoup parlé, il y a différentes formes de tourisme, il y a différentes clientèles. Il y a un tourisme, par exemple, qui est essentiel pour la France, et notamment pour Paris, c'est le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, ce sont des recettes considérables. Il y a 413 salons qui se passent à Paris chaque année, qui attirent énormément de visiteurs, qui sont des gens qui veulent de l'efficacité, qui veulent des hébergements parfaits, des lieux qui fonctionnent. Et c'est d'ailleurs pour ce tourisme d'affaires, qui souvent a un aspect très haut de gamme, que vous voyez aujourd'hui, Paris s'équipait dans des hôtels de luxe pour lesquels elle était jusque-là très en retard par rapport à d'autres destinations. Vous
vous avez probablement vu ces derniers temps que le Peninsula, le Shangri-La, le Mandarin, la réflexion de la Samaritaine, le Lutétien, le Crillon, le Ritz, le Royal Monceau, c'est-à-dire si tous ces hôtels se montent en gamme, c'est bien qu'il y a à Paris une attente de ça. Mais ça s'adresse à une clientèle très spécifique. Et à l'autre bout, de l'autre côté, il y a, vous avez parlé de seniorisation, il y a tous ces touristes qui font plutôt partie des classes moyennes, et eux, quand vous leur demandez ce qu'ils cherchent dans un lieu, ils vous disent du vert, du zen, de l'authenticité. Du vert, du zen, de l'authenticité. C'est-à-dire à la fois de la nature, même si cette nature elle peut avoir un côté patrimonial, vieille pierre, etc. Du zen, parce qu'ils veulent que ce soit un lieu où ils ne soient pas stressés par la foule, par l'organisation de la gastronomie, par les endroits où on peut manger, et de l'authenticité, parce que finalement, on est bien d'accord, l'authenticité c'est quelque chose qui se construit. Quand vous allez, je vais reprendre Disneyland de Paris, ils ont construit un quartier qui marche du feu de Dieu. Qu'est-ce que fait ce quartier? Vous l'avez peut-être vu, c'est Ratatouille. Il limite un quartier de Paris. Et finalement, les gens vont voir ça. Puis après, alors ce qui est malheureux pour eux, c'est qu'ils prennent le RER, là, ils déchantent un peu. Mais quand ils arrivent à Paris, ils retrouvent finalement. C'est vrai, hein, c'est pour qu'on voit ça. Non, alors, ce qui est terrible, d'ailleurs, j'en profite pour dire, j'en profite pour dire que j'adore les aéroports de Paris, mais il y a quand même un vrai problème. Quand on vient de Shanghai, quand on vient de plein d'endroits du monde, on débarque à Roissy ou à Orly, surtout à Roissy, et on se dit, punaise, où je suis? Parce qu'on attend des heures, parce qu'on est maltraité, parce que c'est pourri. Aujourd'hui, la police aux frontières se vit comme contributrice
de l'image de la France et comme un service qui, certes, doit s'assurer que les gens qui ne doivent pas sortir ne sortent pas et que les gens qui ne doivent pas rentrer ne rentrent pas, mais qui également travaille sur sa productivité, sur sa qualité de service, sur les engagements qui sont pris. Cet exemple-là peut être répliqué pour les douanes, engagées dans le même mouvement des taxes, s'agissant des infrastructures, la ligne 17, le métro du Grand Paris, le Charles de Gaulle Express, sont autant d'exemples sortis des dernières années, au-delà des différents régimes politiques, qui montrent une prise de conscience de ce que si tout le monde ne travaille pas ensemble, tout le potentiel dont on parle ne sera jamais saisi. La question sera peut-être sur ce sujet. Allez-y, Christian Rotelli. Ce que je veux dire, puisque j'ai participé à 3 conseils interministériels du tourisme en un an, on avait jamais vu ça, Premier ministre et ministre, parce que le tourisme est arrivé à ça, et nous, nous passons dans notre temps à faire des notes qui orientent effectivement un peu plus vers la qualité tous les services, la chaîne de services, parce que nous expliquons que les gens ne sont pas contents, qu'ils se plaignent, etc. Et je dois dire très objectivement, parce que finalement je suis client, parce que je représente des clients, beaucoup de clients, que les choses se sont améliorées et qu'elles s'améliorent vite. D'abord, il y a une question d'infrastructure et une question de responsabilité. Alors, Edouard a dit sur les responsabilités, c'est très clair. Il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'un seul acteur, il n'y a que l'aéroport de Paris, les aéroports de Paris, de toute façon, il y a une chaîne d'acteurs. Ça, c'est un point important. Puis dans les infrastructures, la croissance, l'amélioration des infrastructures va moins vite que la croissance passager. On n'imagine même pas une telle croissance passager, y compris de Français qui partent à l'international. Et c'est pour ça que je prends le projet Aurélie aussi. Donc ça bouge beaucoup du côté des infrastructures, ça bouge beaucoup du côté des douanes, de la police aux frontières, je veux dire, ça s'améliore, mais il faut un peu de temps, même si il y a des vrais progrès. Jacques Mistral. Je voudrais juste ajouter sur ce point que nous venons de loin, de très loin, dans ma jeunesse, alors j'étais jeune économiste, pour ne pas être trop loin, n'est-ce pas, était très répandu, certains le savent, je me souviens peut-être de cette époque aussi, était très répandu que le tourisme avait une activité touristique avait un caractère un petit peu dégradant. C'était une activité qui était manifestement en dessous de la fonction publique et en dessous même de l'activité industrielle. On était là au service de. Bon, c'était pas. Donc il y a un retard culturel qui est, je crois, assez profond et qui, dans beaucoup de domaines, a été largement comblé. Il y a 90 millions de visiteurs en 38 mois. Mais il reste d'innombrables poches de fragilité de ce genre. On a mentionné le RER, qui est un exemple particulièrement criant, et que lui, je connais depuis les années 60, puisque la question de la desserte ferroviaire, en fait, il y a le chemin de fer, la SNCF, et la question de la desserte ferroviaire des aéroports, était posée dès la conception de l'aéroport Charles de Gaulle. Ça avait été un choix explicite de ne pas relier Charles de Gaulle au centre-ville. Donc, ça date d'il y a 60 ans, hein, grosso modo, ce sujet. Et je ne dirais pas que les lois vont dire peut-être, mais enfin, c'est pas encore une affaire qui est totalement gagnée. C'est lié à l'ampleur des difficultés. Et je cite juste pour conclure un autre exemple, l'apprentissage de l'anglais. Car comme nos amis anglais parlent de français fluide, comme on l'a dit, eh bien, il est indispensable pour avoir un service à la hauteur de la clientèle que nous attirons, eh bien, d'avoir un service en anglais. Et ça, là aussi, on a fait les progrès, on peut s'en profiter, disons qu'il reste encore pas mal de chemin à faire. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et qu'on termine cette première grande partie de table ronde sur la définition de la marque. Est-ce qu'on a tout dit sur la définition de l'image de marque? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter avant qu'on bascule vers un autre sujet? Est-ce que, alors on a parlé d'image de marque de pays sympathiques, de pays patrimoine, de pays divers, avec divers paysages, différentes offres, avec une offre pas toujours, qui ne répond pas toujours, qui faut faire monter en gamme. Est-ce que sur un autre domaine, on peut faire la réponse à cette question? Est-ce qu'on a tout dit sur la définition? C'est quoi l'image de marque de la France? Peut-être si vous connaissez. Alors, je vous prends au dépourvu. Non, je ne vous prenais jamais au dépourvu. Mais pour dire que moi je voyage énormément, hein, puisque ma spécialité au départ c'est le développement des pays qu'on disait du tiers-monde aujourd'hui.
pays convergents. Quand on pense à la Chine qui est en train de monter à toute vitesse dans le nombre de touristes mondiaux internationaux, je pense d'ailleurs qu'à terme elle va dépasser la France. La France garde sa première place, mais la Chine, on la voit monter. Ce qui est marquant, c'est que partout où je vais, les gens rêvent de la France et ils disent « Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. » C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet engouement. Quand je suis allée récemment en Ouzbékistan, le français, c'est une langue qu'on fait à l'école primaire. Parce qu'ils disent, alors nous, pour nous, les Ouzbeks, c'est... on a peur, quoi, quand on est en Ouzbékistan. « Ok, bah, ciao, on pourra aimer, bon, c'est terrible. » Mais les Ouzbeks sont terriblement attachés à la France. Ils disent, mais affirmez vos valeurs, par exemple. Vous voulez qu'on affirme plus nos valeurs. Les Africains du sud du Sahara, quand ils appartiennent aux classes moyennes, ils ont cette envie d'aller en frontière. Ils sont parfois très maltraités, vous le savez, on va reparler de l'accueil aux frontières, hein, c'est toujours un peu difficile pour eux. Les Américains, pour eux, c'est simple. Vous dites, vous êtes français, les gens vous aiment. Il y a eu un moment où ça a été dur, vous savez, on ne voulait même plus parler des frites françaises, vous vous souvenez, il y a quelques années. Les Américains aiment la France. Donc, nous avons cette chance folle d'avoir une image de marque mondiale qui est à la fois une image très forte et qui ne cesse de grandir parce que comme le monde se moyennise, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde, de gens qui appartiennent aux classes moyennes, et bien ces classes moyennes, elles ont le rêve français. Après, le problème, c'est que parfois ce rêve, quand il se heurte à notre réalité, il est un peu sceptique. Alors, pas pour l'aéroport, je parle du TGV. J'ai pris le TGV en Ouzbékistan. Oui, il y a un TGV en Ouzbékistan qui va de Tashkent à Bukhara. Ce TGV, il était fabuleux. C'était vraiment la propreté, la ponctualité, le service, etc. Quand un Ouzbék vient prendre le TGV en France, il est quand même un peu surpris. Et le problème, c'est qu'on est un peu en train, sans se rendre compte, de se tiers-mondiser. C'est-à-dire que les niveaux d'exigence dans le monde entier, aujourd'hui dans ces classes moyennes des pays émergents, sont de plus en plus élevés. Comme en plus, ils n'ont pas le poids, le passif du passé, ils peuvent tout de suite acquérir des technologies modernes, des choses qui fonctionnent, et nous, ben, on a encore quand même tout un ensemble de choses à gérer, à commencer par les grèves. Parce que ça, ça les sidère aussi. Si on a perdu tellement de touristes pendant cette annus horribilis qui était l'année 2016, c'est parce que, alors qu'on avait du monde de foot, si je ne me trompe pas, mais de quoi c'était de l'Europe, je m'en fous, excusez-moi, mais c'est ça. Et donc, du coup, on a perdu, mais vous le savez, on a perdu cette année-là énormément de touristes. Il y a tout eu cette année-là. Et ça, il faut quand même qu'on travaille là-dessus, parce que cette position privilégiée que nous avons, cette chance que nous avons, nous devrions en être plus fiers. Plus fiers. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui on occupe une position enviable dans le monde entier. Christian Mandeli. Je ne veux pas dire que l'État n'a aucun impact parce que la société serait déçue. Je ne veux pas dire que l'État n'a aucun impact. Je ne veux pas le dire. Bon. Mais en 2016, on était au lendemain des attentats. Et donc on est dans... Il y avait Nice aussi. Oui, il y a eu Nice. Paris et Nice. Et croyez-moi, c'était difficile pour nous de remonter la pente. Je peux vous redonner la parole Non, allez-y. Sur la définition de l'image, elle a donné une définition très large. C'est vrai que par vous, il y a deux mots qui se regroupent et qui sont différents, qui sont marque et image. Vous pouvez avoir une marque très puissante et une mauvaise image. Qu'est-ce qu'une marque ? Le patron d'Amazon disait, la marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous avez quitté la salle. Donc, on va voir la marque Bédouard, la marque Mistral. Vous avez une très bonne marque, une très bonne image de là. Voilà, donc vous pouvez avoir de la puissance et une image contrastée, moyenne, etc. Aujourd'hui, une marque, c'est une empreinte, donc c'est ce qui marque. Une marque, c'est surtout une empreinte digitale. Elle est complexe, cette empreinte digitale. Et surtout, c'est difficile à essayer d'évaluer comme impact, comme empreinte, d'exploiter, d'orienter, comment on l'utilise. Et donc, la France, c'est une image, Dieu merci, dans le domaine de la destination touristique. Je ne parle pas du pays, hein, le pays France, mais et des Français. On va parler de la destination touristique. Elle est tellement diversifiée, c'est ce que je disais toujours, de
tout à l'heure avec des empreintes digitales très fortes des marques mondiales comme Provence, etc., que finalement, des gens vont avoir une image extrêmement précise de la Provence et très positive, alors c'est une marque très forte, moins positive de Paris, par exemple, pour certains. Donc c'est nous, quand on travaille en finesse, puisque finalement notre travail, c'est essayer de segmenter le plus possible, de cibler le plus possible jusqu'à l'individu. Aujourd'hui, les data, le rêve de notre rêve à nous, c'est de personnaliser tellement grâce aux data qu'on aura un marché par individu. Et donc, au fond, c'est ça notre grave, c'est d'essayer de personnaliser au point qu'on sait tout ce que les gens désirent en tant que personne. Donc, on va jouer sur toutes ces énergies de territoire, de marque, de territoire, de site. On va jouer sur ces énergies de marque, de site, de marque, de territoire ou de talent, parce qu'on a des marques qui sont des personnes, des personnalités, des grands chefs. On a des créateurs qui sont devenus des marques. Et on va essayer d'utiliser ça en fonction des clientèles, des cibles, des segments de marché, pour additionner des croissances. En fait, la croissance nationale n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'addition des croissances locales, des croissances territoriales, des croissances micro-territoriales. Nous, on ne peut pas accepter d'avoir d'un côté des croissances fortes dans certains territoires et des croissances négatives dans les territoires d'à côté. Vous pouvez citer des exemples, peut-être ? Ah ben oui. J'ai un cas, parce que je l'ai vécu moi-même, de temps en temps, je me déguise en touriste. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et vous savez, vous connaissez le Mont-Saint-Michel, il est très fréquenté, Saint-Malo à côté est également très fréquenté, et les villages du Cotentin qui sont jusqu'à Conville, il n'y a personne. Et donc, on arrive de Paris, on va essayer de faire équilibrer tout ça, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Maintenant, ce sont les habitants qui ont le pouvoir. Moi, j'ai commencé mon métier en disant, tiens, c'est les clients qui ont le pouvoir. Après, je me suis dit, à côté des clients, il y a les habitants qui ont le pouvoir, et maintenant, il y a les employés qui ont le pouvoir. Donc, il y a trois personnes. Et donc, dans les villages du Cotentin, je me suis déguisé en touriste, et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de signalisation, il y avait très peu d'hôtels, il y avait des petits restaurants, des petits marchés un peu cachés, il y avait très peu d'événements qui faisaient l'objet d'une communication, il y avait des jolis petits événements, mais personne ne les connaissait. Bon, après deux jours, j'ai sympathisé avec beaucoup de gens, j'ai dévoilé mon identité. J'ai failli partir avec le boudon, il n'y a plus quoi. Qui vous a demandé de développer à notre place? Donc, aujourd'hui, on voit bien que donc, j'ai parlé de l'Auvergne. En début septembre, j'ai rencontré une trentaine de maires du Cantal. Je me suis dit, mais dites donc, vous n'avez que 5% de visiteurs internationaux dans le Cantal. Qu'est-ce que vous prévoyez pour que ça se développe? Alors, ils m'ont dit, on a des projets. Oui, bon, alors, je me suis aperçu qu'il y avait plutôt des projets de projets plutôt que des pas de projets. Mais moi, je leur ai dit, mais est-ce que les habitants sont d'accord pour vous accompagner dans ce projet? Non, pas du tout. Si ce projet a lieu, je ne serai pas élu. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise, voilà, on le fait ou on ne le fait pas. Il y a un mot quand même, au-delà de marque et image, il y a un autre mot que j'aime beaucoup, c'est le mot de destination. Parce que pour nous, dans notre métier, en tout cas, c'était le cas pendant au moins 40 ans, on s'est dit, la destination, c'est finalement la destinée d'un territoire vu des touristes, vu des voyageurs. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce territoire? Est-ce qu'on est dans le global de services? Est-ce que c'est vraiment une destination? Aujourd'hui, un territoire, c'est aussi une destinée. C'est quel destin nous, habitants, nous, élus, donnons à notre territoire? C'est quelle destinée, finalement, quelle est la destination de ce territoire dans l'avenir, vu des habitants? Voilà. Et ça, c'est, de mon point de vue, le point le plus important. J'ajouterais que pour ma part, on a tous la tâche régionale. Moi, je suis corse. Autant vous dire que Corse et tourisme, c'est subtil. Il y a du boulot. Si je dis à mes amis, au village, moi, je suis le gars qui va vous amener demain 3000 Chinois, à mon avis, je ne reviens pas au village avant 5 ans. Voilà, est-ce qu'il y a un mot à ajouter sur cette définition? Au départ, la question, c'était l'identité de cette marque, son univers, puisque... J'ajoute juste deux petites remarques à ce qui a été dit. À propos du... je dois d'abord souligner que même sur un point bien connu comme le TGV, qui est mentionné par celui du problème,
image peut être très différente d'un bout du monde à l'autre. En Chine, je souscris tout à fait à ce qu'il dit, je ne connais pas l'Ouzbékistan, mais j'ai souvent voyagé en Chine, et je peux absolument vous garantir qu'un TGV chinois circule mieux, plus confortablement, plus calmement, plus régulièrement qu'un TGV Paris-Laval. Ça, c'est vérité absolue. Mais d'un autre côté, c'est très important de venir entre Washington, New York et Boston, et un utilisateur de l'Amtrak très régulièrement, de vous garantir que l'image du TGV aux États-Unis reste un exemple quand même à la fois des mélanges de la technicité et de la qualité du service au client. Donc c'est assez compliqué. Et je résume ce propos en mentionnant le fait qu'en Chine, à ma grande surprise, il suffit d'y aller deux ou trois fois pour découvrir que le mot qui résume l'attractivité de la France pour tous ces touristes qui viennent de chez nous, c'est le fait que la France est un pays romantique. On ne peut pas échapper à ça. Au bout de deux jours, trois jours, quelqu'un vous a dit que vous avez la chance de venir, la France est un pays romantique. Vous avez raison, puisque en parlant avec un tour opérateur chinois, il disait que beaucoup avaient vu l'image de Douaneau du baiser de l'hôtel de ville, la photo. Et c'est pour ça que les jeunes chinois ont volé en France, si possible avec l'accord du maire de la côte. Alors, la dernière remarque, c'est de dire, on a mentionné brièvement quelques inconvénients, comme le caillou dans notre chaussure attractive, n'est-ce pas, le RER, des choses de genre. Le mot climat social a été mentionné aussi, donc je n'insiste pas lourdement là-dessus, mais il est très clair que ça pèse de manière récurrente, n'est-ce pas. Quand on vit longtemps à l'étranger, on voit que de manière régulière, il y a un point bas parce que, effectivement, les grèves, les manifestations, les feux dans les rues, les bagnoles, les... tout ça, ça dépasse, mais là, c'est difficile d'avoir une politique publique. Alors, là où on peut avoir une politique publique. À une exception près, parce que je la mentionne, parce que là, on a mis Air France parmi ses atouts. Je trouve que Air France a été sauvée en 1988 par Michel Rocard, quand même étant en France. Et à partir de là, Air France a eu une période dans laquelle les choses ont évolué de manière très positive, surtout des plans de la qualité du service. Et depuis des années, je redoute que Air France, et en particulier depuis 18 mois, Air France ne soit plus le véhicule de l'image de la France qu'elle a été. Et ça, c'est un handicap considérable, pas simplement pour les salariés, mais pas simplement pour les finances publiques, mais pour le pays tout entier. Peut-être juste sur les Chinois aussi, ce qu'ils apprécient, c'est de voir le ciel. Monsieur Montaigu, je suis peut-être un touriste chinois. Ils apprécient, par exemple, en particulier dans les villes du Val de Loire, c'est de voir le ciel, parce qu'ils viennent souvent de Shanghai-Pékin. Oui, ils trouvent que Paris est un village. Ouais. Ça ne pas être détroussé hein, quand ils arrivent, ils sortent de Paris. Ouais. Mais vous savez, la question du romantisme, c'est une question intéressante, parce que dans nos racines, il y a l'époque romantique. Alors petit à petit, l'époque romantique s'est transformée. Transformé, a été interprété, et puis finalement le romantisme, ça se traduit par un tour de la débauche avec un petit peu de champagne, du gros. C'est énorme. En prestation touristique, c'est un peu faible. Donc moi je me dis, pour qu'on revienne quand même, parce qu'ici finalement, il semble que sont dans beaucoup d'histoire. Enfin, bon, donc voilà, on va parler de l'histoire. Donc là, il y a une empreinte romantique, il y a une période romantique à Paris, elle a donné lieu à comme la Renaissance d'ailleurs, hein, c'est une période peut-être moins importante, mais qui a quand même marqué son temps, avec beaucoup de création, beaucoup d'audace, beaucoup de talents qui sont exprimés dans la musique, la littérature, et c'est ça qu'on vient qu'ils viennent rechercher aussi. Et nous, dans notre stratégie, on fait parler des élites, on va les convaincre, parce qu'on a une stratégie d'influence, qui reconnaissent et qui savent, dans chacun des pays, parler de cette période romantique française, pour qu'ensuite ça diffuse auprès des populations de ces pays et des marchés. C'est important de voir le romantisme comme ça aussi. Edouard, right. Moi, j'ai trois remarques par rapport à ce qui a été dit. La première, j'ai été frappé de la robustesse de l'image de la France. Lorsqu'on a perdu tous les touristes et tous les visiteurs qui ont perdu au moment des attentats, puisque vous avez mentionné la dernière, 2016, d'habitude, dans l'histoire du voyage, après un attentat dans un pays développé, il faut 3 à 6 mois pour que le trafic revienne à la normale. Là, on a mis entre 6 et 9 mois, selon les faisceaux dont on parle. Donc ça veut dire que malgré un choc d'une violence inouïe, qui touche à un aspect extrêmement fort de l'expérience de chacun, qui est l'expérience de la sécurité,
on a été capable de retrouver un train de trafic et un train de visite beaucoup plus rapidement que ce qu'un certain nombre de personnes avaient imaginé. Non, dans 3-6 mois. D'habitude, c'est 3 à 6 mois. Oui, je l'ai dit elle volontiers parce que 3 à 6 mois, ce sont à chaque fois des petits attentats. Des petites périodes d'attentats. Dans les années, depuis les années 70, c'est une statistique qui a été calculée sur tous les attentats qui ont eu lieu États-Unis, Europe, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et on s'attendait à ce qu'il y ait une césure avec les attentats de 2015-2016. Et finalement, le trafic est revenu beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Ça, ça a été assez intéressant. La deuxième chose, c'est sur la conflictualité, il y a la perception et la réalité. La perception, elle est bien celle qui a été décrite. La réalité, c'est que la conflictualité en France ne se distingue pas d'autres pays, et c'est l'exemple de la conflictualité des compagnies aériennes, elle est plus forte en Allemagne qu'elle ne l'est en France. La troisième, je voudrais juste terminer là-dessus, c'est que cette image, elle se confronte à des perceptions nationales. Et donc on peut avoir une image de la France qui est parfaite, si je n'ai pas d'eau chaude à donner au touriste chinois qui veut boire dans mon aéroport, j'aurai une mauvaise expérience. Monsieur Mistral, vous souhaitiez encore un mot. C'est bon. Alors, on va enchaîner avec autre chose, l'image de marque de la France dans la mondialisation. Alors, on l'a déjà dit, on a beaucoup parlé des Chinois, c'est une opportunité magnifique. Cela dit, la mondialisation, elle est aussi source de menaces, source de compétition. La France, elle n'est pas seule. En Europe, par exemple, à pouvoir accueillir des touristes attirés par le romantisme. Il y a aussi l'Italie, il y a aussi la Suisse, pourquoi pas l'Angleterre, pourquoi pas l'Écosse. Voilà, sur des univers de marques à peu près semblables, la France n'est pas seule. Monsieur Mantelli, peut-être, pour commencer. Non, elle n'est pas seule et on pourrait dire, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, sur la montagne l'été, ce sont les Suisses qui nous prennent le plus de parts de marché. Voilà. Je peux vous dire, sur l'Australie, nous nous sommes assez bien passés en termes d'image et en termes de flux. Le pays qui actuellement prend le plus de parts de marché, c'est le Japon, sur le marché australien. Parce que le Japon connaît une fréquentation de plus en plus forte venant d'autres pays, compris le français. Le Japon est très à la mode sur le marché français. Donc il y a une concurrence très vive sur tous les types de produits, tous les types de segments clientèle et cibles. Et on trouve des concurrents qu'on n'attendait pas. Par exemple, personne n'attendait l'Allemagne comme grand concurrent, l'Allemagne de destination. L'Allemagne est un grand pays, mais la destination Allemagne était devenue une grande destination très concurrente de la France aux Pays-Bas. L'Allemagne ne prenait pas le marché. Voilà. Donc moi je suis. C'est pas étonnant. Et par ailleurs, l'Allemagne est un pays de culture avec des villes qui ont beaucoup bougé, qui ont de la culture, la production culturelle, et qui sont très attractives, sans parler du tourisme d'affaires, que nous avons évoqué tout à l'heure, et salons évidemment. Donc on a des concurrents partout, des opportunités partout, et il faut qu'on sache, et ça c'est un point important, on a parlé de la diversité, on a parlé des marques mondiales, il faut dire que la France ne peut pas se positionner, pardon, je vais parler un peu de marketing, je n'aime pas trop le marketing en plus, de temps en temps, même si je l'ai beaucoup pratiqué, c'est pas parce que je l'ai beaucoup pratiqué, donc ça ne peut pas être un positionnement généraliste, il faut que la France se positionne en multispécialiste. Il faut que dans le domaine du vélo, on devienne un des meilleurs, un des leaders. Il faut que dans le domaine de la mentalité, un des meilleurs. La culture dans les villes, un des meilleurs. Sylvie Brunel, sur ce sujet peut-être. Je crois que c'est très important. Tous les pays du monde aujourd'hui cherchent à attirer des touristes. C'est vraiment quelque chose, enfin, presque tous sont dans une concurrence pour attirer des touristes. Et on peut être le touriste, finalement, il va chercher 4 P, la paix, parce que dès qu'il y a une guerre, des conflits, il fuit, il a peur de la sécurité. Les prix, alors les prix c'est la sécurité, c'est les infrastructures, c'est la qualité de lui proposer un service qui correspond à son attente. Le patrimoine, les paysages, qu'est-ce qu'on a à lui proposer? Et puis bien sûr le plaisir, la qualité de l'expérience, la qualité de ce voyage. Et finalement, ça me rappelle à cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la notion de Disneylandisation. Finalement, tous les territoires, tous les pays du monde sont dans la recherche de la construction d'un grand récit. On a dit le romantisme pour la France, un grand récit. La mise en tourisme, c'est pas seulement d'un support matériel,
mais aussi c'est un habillage conceptuel qui donne du sens à ce voyage. Un peu comme Canal Plus disait c'est ici, c'est nulle part ailleurs, vous savez, pour la télévision. Mais c'est pareil pour le tourisme. Pourquoi, alors qu'Internet permet aujourd'hui d'aller à peu près partout, même virtuellement, pourquoi on a envie d'aller dans un lieu? Parce que ce lieu, il porte une charge symbolique qui fait que voilà, vous allez dedans et vous êtes transporté. Et alors, du coup, ça passe par quoi? Ça passe par un véritable travail qui consiste à mettre en valeur des éléments culturels et donner accès à des beautés naturelles qui justifient le déplacement. Mettre en valeur les éléments culturels, c'est pas évident. Souvent, on redécouvre un lieu. Même les locaux, les gens, et surtout les locaux, ne savent plus les éléments physiques beaux, bah, c'est pour les initier. Donc là, il faut créer de l'accessibilité. Le tourisme, c'est la démocratisation. Il faut que la personne qui ne soit pas l'élite, qui ne soit pas l'aventurier, bah, il faut qu'elle puisse se rendre là, même si elle a des difficultés de déplacement, même si elle est âgée, on a parlé de la seniorisation. Tout ça, c'est vraiment penser le territoire. Et ce qui est marquant, c'est que à un moment, ça crée des opportunités telles que d'abord les locaux eux-mêmes, ils ressentent de la fierté. C'est-à-dire qu'ils sont, ils redécouvrent leur propre patrie, leur propre lieu, ils sont fiers, on recrée un sentiment d'appartenance, et puis ça crée des revenus, parce qu'il faut quand même voir la gamme inouïe des emplois suscités par le tourisme. On peut à ce moment-là valoriser, c'est, j'imagine, votre mission, monsieur, mais c'est un défi absolument formidable. Et quand on se déplace dans le monde entier, on voit cette recherche. Chacun se dit, qu'est-ce qu'on met? Le Costa Rica, il dit naturellement, la nature, c'est un jardin. L'Ouzbékistan dont je parlais tout à l'heure, c'est les routes de la soie, c'est Tamerlan. À côté, la Mongolie, c'est Genghis Khan. Ce qui est un peu surprenant, parce que Genghis Khan, il a tout détruit sur son passage. Mais voilà, c'est le héros national. Alors nous, en France, c'est quoi finalement notre héros national? C'est quoi, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va... Bah, finalement, c'est tout un ensemble de choses. Et c'est ce qui est fabuleux sur la France, c'est qu'elle va créer un sentiment d'attirance. Quand vous allez au Japon, mais les Japonais, la France, pour eux, on en parlait là, vous en parlez du Japon, c'est fabuleux. Et nous, on a cette chance folle qu'on a été tellement à un moment important dans l'histoire, parler la langue française, c'était un élément de fierté. On parlait français. Eh bien, on a une capacité à valoriser immense. Après, ben voilà, il faut la décliner. Et monsieur disait tout à l'heure en Corse, ben, c'est un peu difficile d'en être, on va leur amener des Chinois. On se heurte aussi à quelque chose. C'est qu'on a quand même tendance en France à prendre toujours les touristes pour des cons. Et ça, c'est quand même un problème. Dans le monde entier, vous arrêtez à Tokyo, vous donnez l'impression d'hésiter, il y a quelqu'un qui s'arrête qui vous dit « Est-ce que je peux vous aider? Où est-ce que vous allez? Je vais vous amener. » Alors, ça change quand même en France. Il y a notamment les greeters, là, les... Oui, voilà. Ici, par exemple, la loi... Voilà, il faut changer cette image. Et puis, dans tout un tapis, vous avez ce que j'en appelle une police touristique. Vous allez à Cancun, vous avez une police touristique. C'est-à-dire des gens qui sont là pour veiller à la sécurité du tourisme. Tout ça, on a encore du boulot. Il y a du boulot auprès des cafetiers parisiens, Christian Mantelli, ça a été bon, ça. Les cafetiers, bah voilà, vous entendez un peu à Paris. Déjà, vous sentez que vous êtes un flou. Vous êtes un flou, déjà. Quand on est parisien, il ne faut pas sourire. On reconnaît le provincial à Paris, parce que c'est ceux qui sourient, qui est gentil. Bah non, mais quand même. Edouard Arkwright. D'abord, là aussi, il faut peut-être donner un peu de perspective. Un aéroport comme CDG, un aéroport comme Paris-Orly, juste pour donner des ordres de grandeur, c'est 122 000 salariés. C'est de l'emploi qui est non délocalisable, en construction, toute qualification, plutôt plus CDIsé que la moyenne nationale. Et qu'elle est singulièrement plus CDIsé que la moyenne régionale. Il y a 10 ans, le principal problème d'accès à l'emploi, et pour vous donner juste une idée, 1 million de passagers, c'est 4 000 emplois. Direct ou indirect. Donc, il y a 100 millions de passagers par an. Et on augmente de 3,5 en ce moment. Pour vous donner des ordres de grandeur. Ça veut dire que ça vous donne une idée du nombre de personnes qu'il faut convaincre de venir dans cette industrie. Il y a 10 ans, le principal facteur de difficulté, il y en a deux. C'était la langue et l'accès physique
à l'aéroport. Vous travaillez sur un aéroport à 5h du matin, à 5h du matin, il n'y a pas de ligne de bus qui vous amène. Vous auriez une ligne de bus qui a été mise en place par des élus particulièrement visionnaires, mais elle arrive dans une zone non éclairée, qui est un parking où il faut encore vous marcher pendant 900 mètres dans la nuit, et donc généralement, elle n'est pas très employée. Aujourd'hui, il y a plus un problème d'accès à la rente. Plus un problème d'accès à la rente. Il n'y a pas une personne qui a envie de travailler qui habite à proximité des aéroports parisiens, c'est effectivement pas les zones les plus faciles de l'Île-de-France. Tous ceux qui veulent travailler, ils maîtrisent suffisamment l'anglais pour y travailler. Donc ces évolutions-là sont des évolutions extrêmement fortes et qui fait qu'on ne nous fait plus le reproche, on ne reconnaît que pour l'aéroport, on ne nous fait plus le reproche de ne pas savoir s'adresser dans la langue d'un touriste. Et généralement, sur un terminal, vous avez quelqu'un qui parle chinois, pour prendre le chinois, puisqu'on en a beaucoup parlé. Donc ça, je pense que c'est des choses qui changent extrêmement fort. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est qu'on en parle beaucoup sur l'attractivité, et tout ce qu'on est en train de se dire, c'est la projection à l'étranger. Et donc quand on parle d'un tableau qui s'appelle « Attractivité, un capital économique », c'est un capital économique qui nous sert aussi dans la projection, et qui sert beaucoup à l'économie française, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Jacques Mistral, ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu. Oui, je voulais ajouter la chose suivante. En tant qu'économiste, j'ai été sensible au dossier du tourisme international, parce que c'est un secteur qui est, allez, quand je me suis intéressé, était prometteur en matière de devises. C'est un secteur qui est excédentaire en termes de balance des paiements. Et c'est devenu de plus en plus. Et c'est un atout pour le pays parce qu'il permet de compenser nos fragilités dans le secteur manufacturier où nous sommes, grosso modo, dans une position déficitaire. Donc c'est l'aspect économique de l'État. Mais on a parlé beaucoup du tourisme international. Si on le regarde sous l'angle de la balance des paiements, c'est un flux à double sens. C'est-à-dire que autant nous sommes désireux d'attirer les touristes étrangers pour tout un tas de raisons, autant on a vu que les pays du monde entier tâchent de faire la même chose. Et quand mon voisin a évoqué l'Allemagne, j'ai réagi en disant, mais c'est très naturel, parce que l'Allemagne est un pays qui est extraordinairement attractif à tous égards, sur le plan des paysages, sur le plan de la culture, sur le plan même qui ont été détruites, mais quand on voit Berlin, c'est une ville touristique extraordinairement intéressante, qui comprend à de très nombreuses entreprises sans jamais se fatiguer. Donc ce sont des concurrents extrêmement sérieux. Par conséquent, je voudrais ajouter une chose, c'est que tout intéressé que nous soyons ce soir sur le tourisme international, il ne faut jamais oublier que le tourisme, c'est un secteur qui a aussi vocation à attirer les Français. Et par exemple, à propos du Cantal, si je peux me permettre de compléter ce que vous disiez tout à l'heure, si le Cantal choisit de ne pas s'intéresser au tourisme étranger pour éviter la désindustrialisation, c'est le droit de ses habitants. Le droit de choisir. Mais s'ils choisissent au surplus de ne pas s'intéresser au tourisme français, je pense qu'il faudrait dire les maires et les maires, les élus et les habitants qu'ils se préparent quand même pour eux et pour leurs enfants un avenir qui sera probablement difficile. Donc ne jamais oublier le tourisme français vendu aux Français, adapté aux Français avec des infrastructures pour les Français. Merci. C'était dans cette question sur la mondialisation alors c'est, je suis désolé, mais la transition n'est pas forcément voulue, mais la mondialisation, il y a aussi actuellement une période de repli nationaliste, et je ne veux pas vous placer dans cette catégorie-là, je me distrais quand j'enchaîne avec cette question. J'avais préparé ma question bien avant que vous fassiez votre conclusion. Donc, cette mondialisation actuellement, elle est marquée par un reflux. Il y a le Brésil, par exemple, qui vient de voter pour un nationalisme. L'Italie est tentée, la Hongrie, et même les États-Unis. Alors, quels sont les enjeux de ce repli nationaliste, ce repli à l'intérieur des frontières? Quels sont les enjeux pour la France qui reste, qui a voté pour un système ouvert, l'Allemagne, pour les pays qui restent ouverts? Est-ce qu'il y a des failles, des menaces? Question en tête. Alors, déjà une première bonne nouvelle, la fréquentation britannique en 2018, elle est en hausse en France, elle était en hausse en 2017. Bon. Donc ça, c'est un premier signe. Et moi, ce que je remarque dans
voyageurs internationaux viennent, ils viennent, j'allais dire, en mondialisé, c'est-à-dire qu'ils ont des attitudes, des comportements, des recherches de services qui finalement se ressemblent tous, et on peut parler d'une attitude mondialisée des touristes visiteurs, mais ils sont très intéressés par la résistance à la mondialisation en même temps. C'est-à-dire que quand cette quantité dans un territoire, alors c'est pareil, on peut parler d'une île pas très lointaine, mais ses spécificités dont j'ai parlé tout à l'heure, quand ils trouvent le fromage, le produit agroalimentaire qui résiste à la mondialisation, ils sont très contents. Et c'est ça qu'ils vont chercher. C'est ça qui est curieux. C'est-à-dire qu'au fond, c'est vraiment, ils vont chercher des standards et des formats qu'ils trouvent un peu partout ailleurs et tout se ressent, c'est une uniformisation et en même temps des différences extrêmement fortes. C'est, à mon avis, le tourisme est un accélérateur de mondialisation et aussi un média, parce que finalement, le tourisme est un média de résistance à la mondialisation excessive. Je pense. Et donc, au fond, chez tous ces peuples dont vous parlez, parce que finalement, ils font des choix en ce moment, qui sont des choix démocratiques, il faut s'interroger sur ces choix, pourquoi ils font ces choix. Mais dans ces choix, ils vont reconnaître au fin fond des régions françaises des choses qui sonnent bien à leur oreille, qui leur plaisent bien, etc., et qui sont des résistances à la mondialisation. C'est ça que Et dans la première chose. Deux réactions à ça. La première, les évolutions que vous venez d'évoquer n'interrompent pas le développement des trafics et des déplacements. Donc on peut avoir ces reprises. On les a. Et il se trouve que moi je préside un groupe turc. Donc les évolutions que vous mentionnez, on les vit tous les jours. Et les trafics sont à deux chiffres. Donc repli sur soi ne veut pas dire j'arrête de me déplacer. La deuxième chose qui me frappe. Pour l'instant, parce que si jamais les frontières, institutionnellement les frontières se. Le principal frein, c'est la devise. Le principal frein, c'est le lien entre devise et devise pouvoir d'achat et donc capacité à aller passer des vacances ou faire des voyages à l'étranger. En fait, c'est plutôt le lien entre repli national et tension sur les devises qui, du coup, va affecter les déplacements. Et de ce point de vue-là, on a quelque chose de ce genre. La deuxième chose que je voulais dire, elle est juste la chose suivante. Quand on entrait longtemps dans les aéroports, vous trouvez les mêmes choses. Un certain nombre de fois, on a parlé des produits que vous pouviez acheter dans les aéroports. À Paris, nous avons décidé il y a 6 ans de faire en sorte que vous trouviez à Paris la dernière expérience parisienne. Tout le monde nous en a montré quelques images, mais quelques dernières expériences parisiennes en shopping, en mode, en produits de gastronomie de type restaurant, et puis tout simplement, le meilleur produit que nous vendons en ce moment, c'est du foie gras. Du fromage. La marque de fabrique de ce que vous trouvez à Paris, c'est que vous le dans les aéroports, c'est que vous ne le trouverez pas ailleurs. Et nous avons même, petite anecdote, si vous permettez à ce stade, nous avons même un client chinois qui vient acheter 100 000 euros d'alcool en 3 bouteilles tous les ans en janvier, parce qu'il décide, parce qu'il sait qu'il va trouver la bouteille de Mouton Rothschild, de Château Piquet, d'alcool bien ici. Donc à 100 000 euros, on peut trouver plus que 3 bouteilles, vous et moi, mais lui, il en choisit 3. Et généralement, il se renseigne, il sait très bien ce qu'il vient choisir, il prend un avion, il arrive, il prend ses bouteilles, il repart en avion, il a eu son expérience pareil. Je veux dire par là de l'anecdote que si nous avons les mêmes produits dans tous les aéroports du monde, c'est pas la peine de voyager et c'est pas la peine. Donc, nous devons aussi dire quelque chose. Et c'est là où on va retrouver une marque. On peut dire quelque chose, on dit quelque chose avec le produit qu'on vend, et on dit quelque chose qui essaye de nuancer ou de ne pas trop alimenter la standardisation et la mondialisation qu'on vient d'évoquer des produits. Voilà, si vous avez quelques questions, dans quelques instants il sera le temps de les poser. Je finis le tour de table sur la question du repli identitaire et nationaliste, et puis après, n'hésitez pas, il y a un micro qui circule. C'est pour vous laisser le temps de préparer votre question. Sylvie Brunel, je reviens à ma question sur le contexte de l'actualité politique. Alors, ce qui me marque, on a parlé d'un 2 milliards de touristes internationaux, mais aujourd'hui, les touristes nationaux sont plus de 6 milliards, et quand vous allez à Iguaçu, quand vous allez à la Grande Murale, vous rencontrez énormément de touristes nationaux, ou en tout cas de la sous-région, des touristes d'Amérique latine, des autres. Il y a vraiment un essor considérable
à l'échelle de l'Europe, à l'échelle des différents territoires, du tourisme interne. Et ce tourisme-là, il ne faut absolument pas le négliger. Par exemple, ce qu'on voit en France, c'est que le touriste français, il va être un peu réticent à aller s'entasser sur la Côte d'Azur, même s'il va le faire, mais il va préférer aller à la rencontre des territoires locaux. Alors, il va permettre l'été à certaines régions qui sont assez peu fréquentées le reste de l'année, d'avoir un tourisme qui est peut-être un tourisme plus diffus, qui est du camping à la ferme, qui est du tourisme en camping-car, etc. Mais quand même, ça fait vivre des fermes, ça fait vivre des petits restaurateurs, ça c'est quand même une irrigation, une petite irrigation qui est très importante pour les gens qui vivent dans ces territoires. On sait très bien aujourd'hui en France qu'il y a beaucoup de territoires ruraux qui sont en train de se dévitaliser et que pour eux, c'est essentiel que les touristes s'intéressent à eux. Après, c'est un peu triste de dire ça, mais le touriste, sauf s'il est militant, et s'il est militant, il va vraiment choisir sa destination, il s'en fiche que ça soit une dictature s'il est en sécurité. Il ne veut pas le désordre, il ne va pas aller au Venezuela ou au Zimbabwe. Il va préférer les Maldives, la Chine ou la Hongrie, ou pardon, les Émirats arabes unis, parce qu'il a l'assurance qu'au moins il est en sécurité. Et cette question de la sécurité du touriste, c'est un critère absolument essentiel, c'est fondamental dans le choix. Alors en plus, le touriste, dans le monde entier, il va choisir des plans souvent qu'on appelle en géographie décontextualisés. C'est-à-dire que s'il veut une plage tropicale, à la limite, il s'en fiche un peu de quelle plage tropicale, il faut qu'on lui garantit le soleil, qu'on lui garantit l'agrément d'une belle plage. Il va peut-être éviter d'aller très loin dans le Pacifique parce que ça coûte cher, il va préférer les Antilles. Donc nous, on a la chance, les Français, d'incarner, on l'a dit tout à l'heure, le romantisme. Mais on l'a vu, l'Allemagne, elle est aussi sur le romantisme. La Bavière, les villages, etc. Il faut faire très attention. Nos avantages comparatifs peuvent être remis en question. Si on n'est pas capable de garantir la qualité d'expérience du touriste, l'autre, cette espèce de sécurité dans laquelle il se sent, et puis la qualité des prestations. Parce que c'est certain que dormir dans un bon lit, et en ce sens, vous savez qu'un bien-vie fait beaucoup de mal au tourisme, parce que finalement, ça crée beaucoup de tourisme, et une fois que vous avez les punaises de lit, que vous êtes, etc., vous vous dites, on revient à l'hôtel. Il faut faire très attention à ce que ce soit un secteur qui reste réglementé, que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment le rôle des autorités d'un pays, de travailler à renforcer l'offre touristique en ne décourageant pas les acteurs professionnels. Le tourisme, c'est un métier. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment, sur les normes sanitaires, il faut manger des choses sur lesquelles qui ne vous rendent pas malade. Il faut dormir dans des lits qui ne vous fassent pas piquer. Il faut se déplacer en sécurité. Vous voyez, tout ça, c'est fondamental. C'est un métier. Ça donne énormément d'opportunités, mais ça ne s'improvise pas. J'ai constaté. Si je vais répondre à votre question, au départ. Oui, du contexte, voilà, du repli identitaire, des nationalismes, avec quelle menace ça peut avoir, parce qu'on sait que, de manière générale, en économie, quand il y a du nationalisme, il y a de la décroissance, ou en tout cas, on croit que c'est une réponse à la décroissance. Oui. Et donc, je reviens à ça. Oui. Alors, je ne pense pas que ce soit le moment, hein, c'est peut-être un peu tard, parce que ce serait un peu triste après une séance extrêmement animée, et du coup, positive. Ça paraît pas le moment d'avancer une grande discussion sur les dangers de nationalisme économique. Ce qui est clair, en tout cas, c'est pour corriger l'impression que vous aviez pu avoir dans votre transition, que mon plaidoyer n'était pas du tout justement par cela, et qu'il s'agissait simplement, comme économiste, de bien dire qu'il y a deux aspects dans une balance des paiements, et pour que le solde soit positif et concourt à résoudre notre problème de déficit sur les autres échanges, c'est très important qu'il soit excédentaire, soit parce qu'on attire des touristes étrangers, soit parce qu'on garde nos propres touristes. Mais passons cela. Je ne vais pas engager une discussion sur la montée du nationalisme qui constitue pourtant et doit constituer dans quelque part dans notre tête malgré toute la résilience de l'économie mondiale une inquiétude très profonde pour les années à venir car c'est extrêmement complexe de mettre pièce après pièce pendant un demi-siècle de tous les éléments qui
concours à organiser les échanges que nous connaissons aujourd'hui, c'est extrêmement facile de détruire cela. Je n'en cite qu'un exemple qui fracasse beaucoup les dynamiques aujourd'hui, c'est que si le 29 mars, il n'y a pas d'accord, le lendemain, il y aura des contrôles sur les camions qui franchissent le channel, et s'il y a simplement un arrêt devant un foyer, cela va créer au Royaume-Uni, entre Douvres et Londres, une file de camions ininterrompue de 17 km, et 17 miles même. Et ce n'est pas une anticipation en l'air, mais les autorités ont commencé vendredi hier à bloquer cette autoroute la nuit pour commencer les travaux d'aménagement de cette autoroute qui servira de parking pour camions sur 17 km sur deux des voies dans un sens et ne sera utilisée comme autoroute que sur l'autre voie pour les véhicules de tourisme. C'est-à-dire qu'on peut démolir en une nuit et avec un coût qui consiste simplement à ce que le magasin dit « Vous transportez quoi ? Je transporte des pêches. Ok, allez-y. » L'arrêt simplement du camion à l'entrée du ferry crée ces 17 km de... Donc c'est très très facile et nous devons avoir ces inquiétudes derrière la tête quand on parle de toutes les questions de la mobilisation. Pour le tourisme, il en sera de même et je ne crois pas du tout que le fait que les Britanniques soient le plus encore nombreux cette année soit pas possible. On verra, ça évoluera, ils seront peut-être patients, ils n'ont pas compte d'être une heure et demie dans le poste de douane. Mais si le nationalisme, comme vous le dites, montait, eh bien le tourisme n'y échappera pas, c'est très clair. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a été bavards ce soir.